Alors, il y a ceux qui sont pour la défense de la patrie, quitte à en mourir. Peggy, par exemple. Alors, Peggy, c'est celui dont je ne peux rien dire, puisqu'il n'a pas eu le temps d'écrire sur la guerre. Mais enfin, parmi tous les livres qui sont présentés ici, on en trouve beaucoup des histoires de la vie de Peggy, de la guerre de Peggy, qui me permettent en ce moment d'être silencieuse. Alors, il y a ceux qui étaient un petit peu planqués quand même. On Oui. avait parlé de Jules Romain, par exemple. Alors, planqué, ça n'est peut-être pas le terme qu'on va appliquer à Jules Romain, parce que c'est méchant. Mais Jules Romain, d'abord, était, comme très souvent les intellectuels de l'époque, pétri de culture allemande et profondément européen déjà dans l'âme. La guerre l'a rendu littéralement malade. Il avait mal au ventre, moyennant quoi il a été réformé parce que ses maux l'empêchaient de vivre et de guerroyer. Et bon, on peut dire planqué, il s'est retrouvé au lycée Masséna à Nice et c'est là qu'il a fait la guerre. Or, à l'époque, les établissements d'enseignement ne posaient absolument aucun problème. Mais il n'empêche que c'est lui qui a fait les livres sur la guerre que les historiens considèrent comme les meilleurs romans. À l'intérieur de sa grande série des Hommes de bonne volonté, Prélude à Verdun et Verdun, et qui sont réellement passionnants à lire, alors que ce qu'il décrit, lui, ne l'a jamais Il ne l'a pas connu. vécu, Et non. finalement. Et parmi ceux qui décrivent la guerre aussi, sans l'avoir vraiment vécu, il y a Proust. Alors Proust, c'est quand on reprend la recherche du temps perdu qu'il achève, qu'il poursuit avant de l'achever pendant la guerre, c'est celui qui a peut-être montré avec le plus d'acuité ce que signifiait la guerre dans Paris, Paris qui est à l'abri, sauf lorsque le grand mortier de marine qu'on appelle la Grande Bertha va se mettre à tirer sur la ville, ou quand il y a des objets volants bien identifiés qui la survolent pour lancer quelques bombes. Mais pour le reste, à Paris, on est assez tranquille et Proust exprime dans certains de ses passages toute l'amertume que ce qu'on appelle les poilus, ceux qui viennent des tranchées, peuvent éprouver lorsqu'ils voient les gens à l'abri dans les restaurants, bien fournis et qui dînent au milieu des lumières et qui ne s'en font pas. Et il y a un passage comme ça chez Proust où ces hommes, de l'autre côté des vitres, regardent ceux qui mangent, sont amers, mais l'acceptent justement et acceptent l'idée qu'ils vont remonter au front et là sans doute se faire tuer. Alors, il y a aussi les grands pacifistes, notamment l'amour de votre vie, Romain Rolland. Alors, Romain Rolland, je précise que mon mari est tout à fait au courant de la relation qui m'unit à lui. Bon, Romain Rolland est mort en 1944, donc de ce côté-là, il n'y a rien à craindre. Et Prescription. je ne l'ai peut-être pas rencontré, mais j'ai l'impression de le connaître et de suivre sa vie en particulier. Lorsqu'en 1914, au moment de la mobilisation, il se trouve en Suisse et décide d'y rester parce que son âge, il est né en 1866. Il est trop vieux pour être mobilisé. Oui. Alors, trop vieux, dirait Alain, le philosophe Alain, qui n'est pas tellement plus jeune que Romain Rolland, lui est allé s'engager. Comme fantassin, il a fait la guerre alors qu'il était lui aussi un pacifiste convaincu. Mais il pensait qu'il fallait rester près de ceux qui souffraient. Romain Rolland, lui, a décidé
d'appeler à la raison en pensant, mais ça s'est avéré véritablement illusoire, que s'il réussissait à mobiliser tous les intellectuels pour la paix, il obtiendrait gain de cause. Et c'est comme cela qu'il a écrit les articles qui vont être rassemblés sous le titre « Au-dessus de la mêlée ». Mais ces articles n'ont eu aucun effet. Il a écrit en particulier à le prix Nobel allemand Gerhard Hauptmann, un poète qui lui a dit « rien à faire ». C'est la France qui a agressé l'Allemagne et il est normal que nous nous battions. Il reçoit quand même une réponse de Stefan Zweig. Alors Stefan Zweig, qui lui est autrichien, répond immédiatement. D'autres aussi dans les tranchées recevront le grand appel de Romain Rolland. Mais entre Stefan Zweig et Romain Rolland, c'est le début d'une grande amitié que l'on retrouve exprimée à travers leur correspondance. Et qui va durer jusqu'au bout avec des moments parfois un peu d'agacement, parce que les deux caractères ne sont pas forcément bien adaptés. Stefan Zweig a fait la guerre, dans les services de propagande, disons. Il en a énormément souffert. Il a été autorisé à passer des moments en Suisse, à sortir des pièces de théâtre, à veiller à leur représentation. Et il a ensuite toujours essayé de parler pour la paix, ne serait-ce que parce qu'il était francophone, il avait vécu à Paris, et il a écrit sur tous les grands auteurs, français y compris. Mais c'est là qu'il faut rappeler également que lors de l'arrivée des nazis au pouvoir, il a été obligé de fuir l'Autriche. De fil en aiguille, il s'est réfugié en passant par l'Angleterre, puis les États-Unis au Brésil. Et là, il a décidé de se donner la mort. Alors, si on revient à Romain Rolland, lui, il a une position originale et presque contradictoire pour l'époque. C'est qu'il est à la fois un patriote et un pacifiste. Alors, il est patriote parce qu'il se sent absolument français, étant originaire de Clamcy, tout près de Vézelay, et attaché à la terre de Bourgogne, qu'il met en scène dans un livre qu'il a terminé pendant la guerre et qui s'appelle « Colas Brognon », histoire d'un bonhomme, une sorte de paysan, que Romain Rolland, qu'on imagine plutôt guindé, essaie de nous représenter comme truculent. Bon, on peut considérer qu'il arrive à cela. Mais pour lui, ça n'est pas contradictoire. En réalité, la véritable patrie est internationale. Et c'est celle de l'esprit. Alors, vous citiez justement Rabindranath Tagore. Oui, parce que tout de suite après la guerre, en 1919, Romain Rolland lance un texte qu'il va publier dans l'Humanité pour l'indépendance, c'est une déclaration pour l'indépendance de l'esprit. Et Stefan Zweig, avec qui il est toujours en correspondance, lui conseille de s'adresser à toutes sortes d'autres intellectuels, écrivains ou poètes de par le monde, pour recueillir leurs signatures, et en particulier de s'adresser au poète indien bengali Rabindranath Tagore, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1913. Et les deux, Romain Rolland ayant obtenu lui-même le prix Nobel de littérature en 1916, les deux écrivains vont entrer en correspondance. Est-ce que c'était ce prix Nobel en 1916 pour Romain Rolland? C'est justement une incitation au pacifisme en littérature? Alors, le prix Nobel a été attribué à son œuvre au titre de la littérature. On sait que c'est pour ses efforts en faveur de la paix. Il va les poursuivre toute sa vie. Et c'est justement ce qu'on va lui reprocher. Parce que, après la guerre, ce qui lui semble un garant de paix, c'est le Parti communiste. Et presque, carrément Staline. Ça, c'était pas très visionnaire, effectivement.
Alors, si on poursuit sur les traces de Stefan Zweig, il y a des étrangers aussi, évidemment, des écrivains étrangers qui se sont engagés dans cette guerre. Hemingway, par exemple. Alors, Hemingway, c'est bien de commencer par lui, parce que c'est un autre prix Nobel. Et c'est un autre qui, un jour, lui aussi, décide d'en finir avec la vie et il se suicide. Certains pensent que son expérience de la guerre n'y est pas pour rien, parce qu'il a été blessé assez grièvement. Il n'était pas combattant, il faisait partie des ambulances de la Croix-Rouge italienne sur le front italien, mais il était volontaire en 1917 quand les États-Unis sont entrés en guerre. Et il a tiré de cette expérience très dure, en particulier l'adieu aux armes, et toute une série de nouvelles qui sont à la fois cruelles et désespérées et très belles. Il y a Junger aussi, dont vous parlez dans votre ouvrage. Alors Junger, dont nous voyons ici sous mes yeux le nom, lui, par rapport à ceux que je viens d'évoquer, est très différent puisque c'est un guerrier. C'est un guerrier qui se revendique hautement comme tel, alors qu'il n'était que mineur et allemand. Il s'est engagé dans la Légion étrangère française, mais la vraie Légion étrangère, non reconstituée en régiment de marche pour faire la guerre, celle qui était basée en Algérie, à Sidi Belabbès. Il s'est engagé en passant par Verdun, parce qu'il pensait que c'était le meilleur moyen pour atteindre l'Afrique, où, très pétri, c'est-à-dire lui aussi de contes de fées, en particulier des Mille et une nuits, il avait l'intention de partir à l'aventure. Bon, son père l'a récupéré au bout de quelques mois, l'a fait revenir en Allemagne, et la guerre a éclaté. Ernst Junger s'est engagé, et il a fait toute la guerre, devenant rapidement officier, et en étant blessé à 14 reprises, ce qui lui a valu d'être décoré de la médaille pour le mérite. Je crois qu'il y en a moins de 700 des Allemands qui ont reçu la médaille pour le mérite pendant toute la guerre, ce qui lui a valu également, par la suite, d'être protégé, alors même qu'il n'était pas nazi, d'être protégé par Hitler et de traverser la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire en toute quiétude, avec les troupes d'occupation à Paris, où il a retrouvé des Français, parce qu'il était francophone et très attiré par la culture française. Et parmi ces Français, il y avait Jean Cocteau.